au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qui l'a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre sans laisser la nature faire les choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. L'un de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Bon arrivée, mon amour. Ah, il fait très chaud à l'extérieur. Ah bon? Ok. Dans ce cas, je te propose de prendre une douche. Okay. Et cette fois-ci, c'est moi qui te lave. Quoi? Il y a un problème? Non. Au contraire, je suis très fière de t'entendre dire cela. Oh, c'est le travail d'une femme mariée. Beaucoup de femmes l'ignorent. Bah. T'as peut-être raison, mais c'est à tort, bien sûr. Quand elles le font, le mari le trompe et après, ils sont les premières à pleurer. Tu sais, tu es la deuxième femme qui me pose cet acte. Ah bon? La première à le faire, c'était ma maman. Oh! D'accord. C'est parce que je t'aime, en fait. Eh oui. On y va. Je suis là, alors je t'écoute. Je voudrais savoir ce que c'est que ce truc. Attends. Tu déconnes ou quoi? Quelque chose ne va pas dans ta ciboule? C'est pour ça que tu me déplaces de mon lieu de service? Mais il m'a dit, Jago, je ne sais pas ce que c'est. Mais t'es fou, toi! Mais attends, Jago, j'ai quelque chose à te dire. Bien, nous allons parler des émotions aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà eu à détester quelqu'un dans ta vie? Oui, docteur.
Jusqu'à présent, je porte en moi cette douleur. Pardon dans cette personne, Nico. Non. Non, docteur. Je ne peux pas. Je hais mes sœurs. Je déteste ma mère. Elles m'ont arraché la joie de vivre. La paix que j'avais avant n'existe plus. Dans la vie, il faut être patient. Laisse parler ton cœur. Brise-le. C'est ça qui te fait souffrir autant, Hugo. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, docteur. Elles ont chassé celle qui est importante pour moi. Parmi ces émotions, remplace-les par la générosité, la bonté, le calme intérieur, la joie, l'amour et la paix aussi. C'est la meilleure façon, Hugo. Prends ce livre. Ça t'aidera à te libérer de pardonner. Tiens-le. Quand je t'ai ramassé dans la rue, tu n'étais qu'une pauvre misérable. Je t'ai soigné, je t'ai nourri, je t'ai vêtu. Tu m'avais promis de ne jamais me trahir. Aujourd'hui, tu t'entêtes à le faire. La prochaine fois que tu vas essayer de le faire, prie Dieu que nos chemins ne se rencontrent plus. Sinon, je vais te faire la peau. Tes prochaines livraisons, tu iras les faire à l'étranger. Je crois que là, tu seras un peu plus disciplinée. Je veux que tu me sois soumise, utile et obéissante. D'accord. Béni sois-tu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toi-même, tu es sans ignorer que moi, Jago, que je suis, je souffre trop. Les gens passent le temps à me mépriser, comme si ma petite taille était un défaut. Une autre interrogation concernant le travail. Tu as dit dans ta parole que l'homme mangera la sueur de son front. Mais moi, je travaille comme un taureau, mais je gagne peu d'argent. Je ruisselle des sueurs en longueur de journée sous un soleil accablant. Je ne gagne toujours pas grand-chose. Par contre, mes semblables, tous ces hommes qui sont cloîtrés dans les bureaux climatisés en longueur de journée et qui gagnent des millions chaque fin de mois. Et moi alors, quelle est ma place dans ce monde? Quelle est la place de mon ami Bombo qui souffre? Qui est à mes côtés, qui attend de l'aide. Seigneur, fais quelque chose. Alors je me demande si c'est toi qui as décidé ainsi, ou alors c'est les hommes qui ont tout planifié. Je pense qu'il est temps que tu penses à moi, que tu penses à nous, que tu penses à Bombo. Nous souffrons. Donne notre part d'héritage. Seigneur Dieu, nous te supplions. Tu es le seul, tu es le père du travail. Tu as nourri tout un peuple. Aide-nous aussi à bien manger. Nous te le demandons, ou alors je te le demande. Au nom de ton fils Jésus-Christ, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles. Amen.
Bonjour, madame. Il fallait absolument que je vous parle. Est-ce que ça vous plairait que votre mari vous quitte pour une autre femme? De quoi est-ce que vous parlez? Mon mari, Dieu m'a quitté pour une femme. Et je pense que cette femme-là, c'est vous. Fermez-la. Heureusement que vous arrivez au bon moment. Madame, ensemble, nous allons mettre les idées sur place. Vous êtes persuadée que votre mari vous a quitté pour moi. Oh, que c'est faux. Absolument faux, ma soeur. Mais je sais que... Vous ne savez rien. J'ai été victime de la même situation. Ne pensez pas ce que vous n'aimez pas. C'est un conseil. C'est bien entendu. Merci, madame. Merci, docteur. Je t'ai trop soulagée et dégagée. Est-ce que je me trompe? Bien sûr que non. Au contraire. Est-ce que tu vas bien dans la tête? Je ne sais pas comment dire ça, mais ça commence à aller. Wow. De toutes les façons, Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je suis ravie. Vous entrez? Oui, oui, oui. Pourquoi tu m'as parlé de Slim? Tu en avais besoin d'une telle information. Mais je n'aime pas ce nom. Je m'excuse, Jago. La prochaine fois, si je le vois, je ne t'en parle pas. Je suis d'accord. Même s'il vient vers toi avec un couteau. Attends, tu ne peux pas dire ça. Tu vas quand même m'alerter. D'accord. Jago, que faisais-tu avec ces gars au jardin public? Ils tournaient un film. Ils avaient même besoin d'un accessoiriste, quelqu'un qui s'occupe du transport du matériel, logistique, tout ça. Combien ils payent? Je n'ai aucune idée. Puisque je t'ai pas intéressé. Voilà. Patron, ce que vous me demandez de faire là ne tient pas la route. Monsieur, tu ne viens pas dans mon entreprise m'apprendre comment gérer mes affaires. Je t'ai demandé de préparer une lettre de renvoi pour Marcel. Nous avons perdu presque toute la journée. Il y a encore du temps, Jago. Tu racontes. La journée, c'est de 7h à 13h. Or, nous sommes à 12h20. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien à faire. La faute te revient. À moi? Oui, à toi. Slim m'a tapé. Bon, le grand, je n'ai rien fait, Slim, mesdames. Il est où? Il est là-bas. Bon, je suis. Hugo, je peux te raconter une histoire? Ce sont les histoires d'Afrique. J'aime quand tu souris. Samora Touré est un grand résistant africain. Il est né en 1830. Il a développé la tactique de la terre brûlée, qui consistait à détruire de son passage tout ce qui pouvait servir à l'ennemi. Malheureusement, il fut trahi par une femme. Oui, sa propre femme,
Docteur. Oui. Comment faites-vous pour connaître toutes ces histoires? C'est la lecture, Hugo. C'est la culture. Moi, je ne sais pas tout ce que vous savez. Mais je sais au moins que Patrice Lumumba a participé à la conférence de la table à Bruxelles, chez le roi Baudouin. Waouh, Hugo. C'est super. C'est super, bravo. Quand je ne veux pas de quelqu'un, il doit partir. Qu'est-ce que c'est? C'est la démission de Marguerindo. Monsieur Nobé, vous devez être malade. C'est Marcel qui doit partir et non Ndo. Patron, ce n'est pas une révocation. Ou encore moins c'est un congé technique. C'est une démission volontaire. Faites-la venir. Elle n'est plus dans son bureau. Tu m'as fait peur, mais pourquoi tu me cours après? Qu'est-ce qui te prend, Jago? Tu vas te calmer? Tu vas t'asphyxier à force de courir à longueur de journée. Le petit avait juste confondu de personnes. Ce n'était pas Slim. Petit a juste confondu de personnes, mon œil. Va te faire foutre, ok? Mais attends, viens voir, Jago. Ma belle. Jago! Jago! Allô chérie, où as-tu passé ton enfance? À l'ouest, plus précisément à Baganté, là où le roi Songani avait arrêté un général allemand. Oh, les Africains, ils sont tellement puissants. Tu parles de l'époque où le roi Songani avait arrêté le général allemand. Effectivement, tu vois, les Baganté à l'époque du roi Songani est un peuple qui a combattu et chassé l'homme blanc. Au point où ils ont donné le nom Boniasque. Ouais, Boniasque au Bamileke. Ah, bon bref, parlons de nous maintenant. Ok, je t'écoute. Je t'aime, John. Par le biais de mon amour, je t'aime. Tu sais que tu as une âme efficace, surtout quand ça touche le domaine intellectuel. Jago! 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 Échappe-toi, le voilà qui arrive pas à le plafond! Mais tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, Bobo! Mais. Casse-toi aussi, casse-toi, il est très dangereux, ce gars! Non, s'il te plaît, s'il te plaît! Mais qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, Slim, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est... Jago! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, où se trouve ma machette? Où se trouve ma machette, dis-moi! Mais non, il est très dangereux, il est dangereux, ce gars, il veut ma peau, on est pute! Comment un homme peut avoir peur de son semblable? Dis-moi, tu blagues ou quoi? J'espère que tu n'as pas fait pipi dans la culotte. Attends, attends. Ne raconte pas de bêtises, toi. Dépêche-toi et ouvre-moi la porte, Jago. J'ai dit non. Non. Oh là là. C'est un amour maudit. Une malédiction. Madame, c'est votre fils. Il est libre d'aimer qu'il veut. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je déteste cette garce.
S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Les idées de Hugo sont toujours mauvaises. Mais dis-moi, docteur, comment continuer à aimer un enfant qui vous déteste tant? On appelle ça trahison. Oui, docteur, Hugo m'a trahi. Je comprends que vous soyez énervé. Comme c'est facile pour lui de jouer à la victime. Maman, vous êtes sa maman. Donnez-lui juste votre amour, c'est tout. Vous me prenez pour une imbécile. Hugo me déteste. Il ne m'aime pas. Il m'a trahi en aimant une pauvre bonne. Yogo. Oui, allô? D'accord, je suis dans 30 minutes. D'accord. Salut, maman. Salut, chérie. On dirait que tu viens de loin. Non, j'étais juste à côté, assez sous un arbre. J'observais la nature et l'univers. Bravo, mon chéri. Tu es très aimable. Grâce à papa. C'est lui qui m'a tout appris. Allez, viens là. Viens. Assois-toi à côté de moi. Mon petit ange. Tu es devenu très calme, très souple et poli. Chose que je ne m'imaginais pas avant. Merci mon ange de me redonner la joie de vivre. Oh, arrête maman. Je suis déjà assez heureux. Oublions le passé. Ok. Bon, je vais monter, j'ai des lectures à faire. D'accord mon bébé, vas-y. Maman t'aime beaucoup, ok? Moi aussi. Merci beaucoup, John. Grâce à toi, il est heureux. Une mauvaise page de tournée. Espérons que... J'étais beaucoup observé, ma fille. Et j'ai même médité sur ta situation. Et une solution m'est venue en tête. Qu'est-ce que c'est, maman? Des médicaments. Et c'est pour toi. Tu vas les boire. Non, maman. Moi, je ne veux pas avorter. Cet enfant est le fruit de mon amour de jeunesse. Hé! Arrête! Idiote! Au-delà du destin. Pas toi, mon ami, pas toi.
au-delà du destin. Voici l'homme de l'engagement qui l'a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire les choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. L'un de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.